L'œuvre noire, c'est entrer dans le vide pour rencontrer Dieu, c'est-à-dire l'enfant divin qui doit naître, avec les bougies de Hanouka ou dans la crèche de Noël, comme vous voulez. Plus de lumière, juste plus de lumière. C'est ça votre enfant divin. Et plus de lumière, c'est plus d'intelligence, c'est plus de lucidité, c'est plus de clarté, de conscience, de beauté, de rayonnement, de joie, de splendeur. Vous allez plonger très profondément dans le noir de la matrice intérieure. C'est l'œuvre au noir, l'hiver, c'est le temps d'une œuvre au noir. Ça se geste dans le secret de la matière de votre corps. Et si vous arrivez à faire une gestation guérie, plus guérie encore de la nostalgie de l'ailleurs, si vous arrivez à faire une gestation qui regarde les petits anges que vous mettez sur vos sapins de Noël en vous souvenant qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, eh bien, vous n'allez pas faire la gestation hivernale pareille que les autres années. Garantie. Le temps de la gestation, ce n'est pas le temps des réponses. C'est le temps où ça travaille tout seul dans la matière. Vous avez planté, vous allez récolter. Faites confiance au processus. N'allez pas touiller la terre pour savoir ce qui est en train de pousser. C'est la meilleure manière d'empêcher les pousses. Tous les jardiniers le savent. Laissez la matière travailler pour vous. Avec juste ce petit désir d'entrer en dialogue avec votre ange.